Les enseignants coraniques, au début, ils disaient que j'attaquais l'islam. Il y a fait 16 ans que j'ai fait ce film. Il y a 16 ans encore, ils disaient la même chose. J'ai attaqué le business de la mendicité des enfants. C'est ça que j'ai attaqué. Je n'ai pas attaqué l'islam de plus. Je ne peux pas attaquer ma propre religion. Alors. Mais maintenant, disons, une réaction corporatiste. C'était une réaction corporatiste qui disait que si tout le monde pense comme lui, nous n'allons plus exister, nous allons disparaître, etc. Notre business va disparaître. Si notre business disparaît, on disparaît. Non, il faut le faire comprendre. Non, il ne faut pas manger ça, ce n'est pas négociable. Mais ça ne veut pas dire que vous allez pas, ça ne veut pas dire que vous allez disparaître. Non, dites-nous quelles sont les solutions ensemble. Nous cherchons une manière que vous puissiez gagner votre vie à travers votre métier qui est d'enseigner le Coran. Un métier, c'est pour pouvoir en vivre. Donc qu'on ne dise pas que enseigner le Coran doit être une activité gratuite. Au fond, ce n'est pas gratuit dans la mesure où c'est l'enfant qui paye. Je pense que on a beau jeter l'opprobre sur les marabouts, les maîtres coraniques. Je crois qu'il faut en jeter le double sur nous-mêmes. Nous sommes le carburant. C'est nous qui alimentons le problème. Mais aussi, lui donner une bougie, un sachet de lait et tout cela, ça relève plutôt de ce que j'appellerais vulgairement la sorcellerie. Le charlatanisme a fait que le citoyen sénégalais, et sans mentir, je peux dire que tous les citoyens sénégalais sont responsables parce que quand ils vont consulter un marabout pour leur faire l'oracle, ils doivent donner une charité. Cette scène, j'y tenais parce que tout simplement, c'est un marché de dupes. Le papa sait bien que le marabout ne pourra pas entretenir son enfant. Et qu'il va le faire manger, il le sait bien, il le sait très bien. Lui aussi, le marabout sait bien aussi que ce papa-là, il lui a donné son enfant pour s'en débarrasser quelque part. Chacun joue maintenant dans le registre religieux en disant que Dieu vous a donné la grande capacité de nous éduquer nos enfants de manière religieuse. C'est vous qui détenez le Coran. On ne peut pas vous payer même pour ça. Et c'est ce même discours qu'on est en train de tenir à l'heure actuelle. Si on ne se dit pas la vérité, ça va exploser un jour parce qu'il ne faut pas faire la politique de l'Autriche. Tout ce que les gens peuvent dire, ils le pensent tout bas. Je pense que l'État s'y prend souvent très mal. Et des fois, ils attaquent par un bout seulement, alors que le problème est global. Je vous dis, il y a le parent, il y a le marabout, il y a l'État et il y a le citoyen. Il faut qu'il y ait une sorte de, disons, de commission, je ne sais pas moi, en tout cas, un lieu de dialogue permanent. Un lieu de dialogue permanent où toutes ces entités sont représentées et discutent, mais de manière réaliste et vrai.
J'ai voulu faire ce film du point de vue de l'enfant, en montrant que cet enfant, c'est un être humain. Et pas parce qu'il est jeune. Moi, je développe toujours l'idée que l'enfant naît avec toute son intelligence. À partir de ce moment, je dis, ce gosse, si je prends son, essaie d'être dans son point de vue, il va développer des choses en disant que je suis honnête comme toi, j'ai le même droit que toi. Pourquoi tu me tortures? Pourquoi tu me fais travailler? Pourquoi je n'ai pas droit à de l'affection de ma maman? Pourquoi toi, en tant que parent, tu ne prends pas tes responsabilités? À partir de ce moment aussi, j'en fais un être contestataire. Finalement, subversif. Qu'il apprenne à travers ce film à se prendre en charge, à avoir le sens de la responsabilité, le sens de la dignité, le sens de la liberté, qu'on ne se le fasse pas faire des choses hors normes. Si quelqu'un te fait des injustices, refuse, révolte-toi. Sen Ndiaye, Jantoul. Nata jang arab rek du tax nga ngay sol ay yere tilim doto sangoti ngay yor ay pot di yalwan ngay lek ñamu mbam lol man amna oustad ci keur ga daf may jangal say mo wacce mais est ce que yeen sax mu ngeen tari ben sar tari len ma xol eh boy buñ fon do suñu serigna deug bañu waxi deug buñu wala mo ngi ni yeen ay nular ngeen boy tem sam pot yow boy xolaw buñu fon ton de deug ba boy bal ko ga Hear you! Hear you!